Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'À vos droits. Je me présente, je m'appelle Léa et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Claire et Maude, deux étudiantes en Master 1 de droit privé et sciences criminelles de l'Université catholique de Lille. Le sujet du jour portera sur le divorce dans une étude comparée entre la France et l'Angleterre. En effet, le divorce fait l'objet d'une question actuelle puisque beaucoup de gens y sont confrontés. Claire et Maude se sont d'ailleurs penchées sur ce sujet lors de leurs recherches du premier semestre de cette année universitaire. Bonjour Claire et Maude, comment allez-vous ? Bonjour Léa, très bien, merci, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Bonjour Léa, merci de nous avoir invités afin d'échanger et de vous en apprendre plus à ce sujet. Bien, n'attendons pas plus et rentrons directement dans le vif du sujet. Nous savons qu'en France, il existe plusieurs formes de divorce, telles que le divorce pour faute, le divorce par consentement mutuel ou encore le divorce pour altération définitive des liens du mariage. Mais qu'en est-il en Angleterre ? Alors, la législation anglaise prévoit différents types de divorce, mais un seul motif peut venir justifier la dissolution du mariage. C'est son échec irrémédiable. L'un des époux, qui estime ne plus pouvoir rester marié à l'autre, peut apporter la preuve de cet échec irrémédiable. La preuve pourra être prévue dans différentes circonstances, par exemple lorsqu'il y a acte adultère, ou encore en cas de comportement déraisonnable, ou en cas d'abandon du foyer conjugal d'un des deux époux depuis au moins 2 ans. On a vu dans une affaire anglaise que le juge anglais avait estimé comme étant une preuve valable de cet échec, le fait que la femme reprochait à son mari d'avoir un comportement déplacé en se travestissant chez eux. On voit donc bien que le juge a un large pouvoir et pour venir apprécier la validité de cet échec. D'accord, très bien, je vois. Et même si les époux sont d'accord pour divorcer, l'un des deux époux devra engager une procédure de divorce à l'encontre de son conjoint en apportant une de ses circonstances justificatives. De plus, il faut que les époux aient été mariés pendant 1 an au minimum et il faut qu'ils aient vécu sur le territoire anglais au cours de l'année précédente. Par exemple, on a pu voir dans le cas des disputes provenant des relations intimes conjugales que le droit anglais ne disposait d'aucune directive spécifique aux relations intimes entre les époux. Néanmoins, le juge, dans une affaire, a déclaré que le refus de l'acte conjugal, c'était un motif suffisant pour abandonner le conjoint récalcitrant. Ah oui, on remarque tout de même une différence d'appréciation concernant le divorce par rapport à la France. Mais imaginons, je suis mariée, mon mari me trompe. Par quel moyen puis-je obtenir le divorce ? Dans le cas de la France, l'époux trompé pourra faire une demande de divorce pour faute auprès du juge aux affaires familiales et devra apporter la preuve des faits reprochés. Avant toute assignation en justice, l'époux devra tenter au préalable une conciliation à l'amiable avec son époux. Enfin, le divorce pourra être prononcé au tort partagé ou au tort exclusif de l'un ou de l'autre époux, en fonction des faits qui sont reprochés à l'un et à l'autre époux. Et donc l'argent versé à ces époux dépendra de la conclusion faite par le juge. Et dans le droit anglais, on a vu que le juge dispose d'un plus large pouvoir d'appréciation pour le jugement du divorce, car on lui a conféré une certaine fonction législative en ce domaine. C'est donc au juge de donner sa conclusion en fonction des circonstances. D'accord. Et imaginons dans le cas où je suis divorcée, je suis sans emploi. Est-ce que mon ex-mari doit-il me verser quelque chose ? Et si oui, quel en serait le montant ? Alors si on a ce cas en France, votre époux peut être amené à vous verser une pension alimentaire ainsi qu'une prestation compensatoire. La pension alimentaire a pour but de maintenir le niveau de vie d'un des deux époux lorsqu'il y a eu des enfants. Elle sera fixée en fonction des revenus et des charges de chacun des deux époux, estimant par exemple que les deux enfants sont en charge exclusive chez la mère, alors le père devra verser une somme mensuelle à la mère. Si le père gagne 5 000 euros, et que la mère ne gagne que 1 800 euros, qu'elle a les deux enfants à sa charge, qui sont scolarisés dans le privé, et dont l'un des deux qui fait en plus de la compétition équestre avec son propre cheval, alors le père devra verser une somme adaptée à la situation de la mère, somme qui sera prévue par la décision du juge. D'accord, je vois.
Et à cela peut s'ajouter une prestation compensatoire. Elle a pour objet de compenser les disparités qui viennent se créer avec le divorce sur les conditions de vie respectives de chaque époux. Donc, dans votre hypothèse proposée, le mari serait tenu de verser cette prestation compensatoire. Donc, pour déterminer le montant de cette prestation, le juge va prendre en compte les ressources et les besoins de chacun des époux, mais il va aussi analyser la situation présente des époux ainsi que la situation à venir, la situation future des époux. Donc, par exemple, si on a une femme qui vient de divorcer, qui n'a jamais travaillé, et qui était habituée à avoir un certain niveau de vie plutôt confortable, qui avait l'habitude d'aller en week-end dans sa maison au Touquet avec ses amis, qui avait l'habitude de beaucoup partir en vacances, eh bien, elle pourra tenter de faire une demande de prestation compensatoire auprès de son mari, afin de maintenir ce train de vie. Et donc, une fois de plus, le montant de cette prestation sera déterminé par le juge. Dans le cas anglais, le juge, lui, va venir faire des propositions. Il peut ordonner l'octroi d'une pension alimentaire ou le paiement d'une somme en capital. Il peut aussi ordonner l'un des conjoints à verser une partie de sa retraite à l'autre conjoint. Et tout cela en prenant en compte le niveau de vie de chacun des époux. J'ai d'ailleurs à ce sujet une dernière question concernant le logement familial. Si ce logement familial a été acquis par l'époux, lequel des deux époux récupérera le logement au moment du divorce ? Alors, le bien reste propre à l'époux. Il bénéficiera de ce fait d'une indemnité d'occupation. Dans le cas où il y aurait eu des enfants qui sont issus du couple, le juge français pourra attribuer le logement à l'épouse pendant la phase du divorce, si c'est dans l'intérêt des enfants, par exemple. Et lors du partage, le logement revient à l'époux qui l'a acheté, donc le mari, dans ce cas. D'accord, très bien. En Angleterre, il existe un unique régime matrimonial qui est le régime légal de la séparation de biens. Et donc, dans ce cas, le logement familial reviendra à l'époux qui l'a acquis. Donc, dans votre cas, par exemple, le logement reviendra à votre mari. Très bien. Un grand merci, Claire et Maud, pour votre intervention qui fut très enrichissante. J'espère que cette émission a pu éclairer nos amis les juristes ainsi que les personnes extérieures qui ont pu suivre cette émission en direct. Vous pouvez nous retrouver en replay sur le site YouTube et la page Facebook d'À vos droits. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt.